Arnaud porte une lourde croix. En fait, c'est la spécificité de ce personnage et de cette fiction-là, dans toutes les fictions qui composent Accusé, c'est que c'est quelqu'un qui a payé lourdement une addition qui lui a coûté plus de 7 ans de prison. Le film commence, il en sort et on sent qu'il est très attaché à sa fille, mais qu'il n'a pas vu pendant 7 ans. Il y a une mise à l'écart imposée par les juges par rapport à son ex-femme. De sa fille et que personne n'est jamais venu le voir. Et on comprend que toute la démarche dans le film, c'est quelqu'un qui va essayer de se rapprocher, de renouer contact avec cet enfant et que c'est pas facile, quoi. Quand on porte le sceau de la prison sur son front, sur son casier, tout va être signifiant tout le temps contre vous, quoi. Mais il rencontre aussi une personne formidable qui est Samia, qui est vraiment son soleil. À l'atelier de la prison, je collais des étiquettes sur des sacs. 10 000 pièces par semaine à 45 euros par mois. Vous voyez le salaire, la difficulté, ça serait pas un problème. Par contre, moi, si j'ai pas ce boulot, là, le juge va réévoquer ma conditionnelle et je passe les 5 prochaines années en prison. Ça vous va, ça, quoi, comme motivation? C'est une femme qui va lui amener déjà beaucoup d'affection, dont il a manqué, on sent, depuis un certain nombre d'années. C'est quelqu'un qui, au bout du compte, va le sauver, quoi. Vous connaissiez le coin ? Non. C'est joli. C'est un bel endroit pour repartir à zéro. Il est en prison, il se comprend qu'il a aidé un type qui s'appelle Bogdan, qui est un type qui est sans doute beaucoup plus dans le mauvais chemin que lui, de base, déjà. Parce que Bogdan est resté en contact avec lui et veut aider Arnaud, mais comme ces mauvaises personnes, ces mauvais amis qui veulent aider, mais qui sont en fait des boulets terribles. Bon, c'est pas matos de pro, mais... Non, c'est parfait. Et comme Arnaud, quelqu'un comme depuis qu'il est sorti de prison, dans une flottaison périlleuse, il flotte sous la pression et sous les mauvaises idées de Bogdan, il va recomposer un mauvais projet pour voir sa fille et c'est très compliqué. On sent que ce type, il n'a pas de chance, quoi. Il y en a des gens comme ça dans la vie qui subissent la vie, ils n'en sont pas responsables. Deux fois, sa vie va l'amener à être au mauvais endroit, avec la mauvaise personne. Mais c'est un vrai film noir, en fait, c'est ça, c'est une bonne définition du film. Ce côté implacable du destin qui s'acharne sur quelqu'un. Je peux pas faire ça, t'es malade. N'importe quoi. C'est quelqu'un d'un peu influençable. C'est son défaut. On fait comme on a dit. Est-ce qu'il faut payer aussi lourdement pour autant? Pas sûr.